j'ai lu récemment un roman de Paul Auster. Je connais Paul Auster. Ah voilà. Mais j'aime bien. Oui, moi aussi, j'adore Paul Auster. Et particulièrement ce roman-là, parce que l'héroïne qui est décrite tout au long des pages de ce roman m'a fait penser irrésistiblement à toi. Elle est décrite exactement comme toi. Tout à fait. Grande, élancée, cœur généreux, magnifique. C'est dans la trilogie? Je dois dire que, à la fin du roman, le détective qui est censé travailler pour elle la rencontre pour la première fois. Ils sont dans un bistrot, ils sont tous les deux autour d'une table de bistrot. Et ils commandent deux thés citrons. Et là, on comprend qu'ils vont vivre une histoire d'amour extraordinaire. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tu vois, de nouveau, c'est la même chose, quoi. C'est le non-dit. C'est... Bon, là, c'est de la littérature américaine, mais c'est... En fait, c'est universel, je crois. C'est pas... Ça finit comment, ce livre ? La dernière phrase du roman, trois points de suspension. J'ai soif. Oui, tu en bois. Oui. Garçon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu en as ? J'aimerais un thé citron. Deux thés citrons.